revient au texte fondateur de l'islam, c'est-à-dire vous avez le Coran, vous avez la Sunna. Le mot état n'existe pas. Le mot état, il n'existe pas. Une seule fois a été cité la notion de doula, mais pas doula, état, doula. C'est lié à la circulation d'une chose. Ouais. Mais état, non. On parle surtout de communauté. Ouma. Ouma. D'accord ? On parle de société. Donc la base, si on se réfère à l'islam, c'est la communauté. Ça, ici. Maintenant, si d'autre part on se réfère à l'État, notion moderne, ici on revient au droit constitutionnel. Hein ? Canon de story. Ça, un État comprend trois éléments importants. Se définit, hein, selon trois critères importants. Vous avez d'une part une population, d'accord. Vous avez un territoire et vous avez un pouvoir politique. D'accord. Ça, ce sont les éléments constitutifs d'un État. Ça. Si on revient maintenant à l'islam, la base, c'est ici, c'est la population. C'est-à-dire, c'est la communauté. Ça. Un État islamique, entre parenthèses, parce que ce mot n'existe pas, mais on parle de communauté. C'est quoi une communauté islamique? C'est une société dans laquelle la majorité des citoyens sont musulmans. La majorité, sont majoritaires. Parce que, au niveau de n'importe quelle société, on ne peut pas avoir le 100% de musulmans. Donc, c'est la majorité des gens. Cette majorité de gens, pourquoi on appelle ça communauté? Parce qu'il y a des choses en commun qui les a rassemblés. C'est quoi? Le ciment. Hein, c'est comme si on avait des briques, et pour lier ces briques entre elles, il fallait une colle, un ciment. Alors ce ciment, c'est quoi? Alors ça peut être le territoire, c'est-à-dire une région géographique. Quelle est l'Algérie? C'est le nord de l'Afrique. Ça peut être la langue. Ça peut être l'histoire de manière générale. Hein, c'est tout le développement de l'histoire. Et ça peut être aussi un des éléments. La religion. Il se trouve, pour la communauté musulmane, l'élément religion, l'élément islam est important. C'est un des éléments les plus importants dans le ciment, hein, dans la constitution de ce ciment-là. D'accord. Donc, à ce niveau-là, cette population se dit musulmane, se reconnaît en tant que musulman. D'accord. Si on prend le terme marxiste, si vous voulez, de superstructure, le pouvoir c'est une superstructure qui doit refléter la société. Donc ce pouvoir-là, ne peut pas être en contradiction avec les valeurs. Et ça c'est plus important. Donc lorsqu'on parle d'État islamique, en parenthèse toujours, c'est-à-dire c'est un État, c'est un pouvoir, ce sont des lois, ce sont des institutions qui sont conformes à l'esprit, conformes aux valeurs de l'islam.